Le système d'alerte de trafic transversal permet d'avertir le conducteur à l'aide d'avertissements visuels et sonores si un véhicule est à l'approche sur le côté alors qu'il fait marche arrière pour quitter un espace de stationnement. Le système d'alerte de trafic transversal fonctionne lorsque le levier de vitesse est en position de marche arrière et que le véhicule roule à moins de 8 km/h environ. Le système d'alerte de trafic transversal utilise des capteurs radars situés des deux côtés du véhicule à proximité du pare-choc arrière pour faciliter la détection des autres véhicules à l'approche sur la droite ou la gauche du véhicule. Les capteurs radars peuvent détecter un véhicule qui s'approche environ 20 mètres. Si le capteur radar détecte un véhicule à l'approche sur le côté, un carillon retentit et le témoin des systèmes d'avertissement sur l'angle mort et d'alerte de trafic transversal du côté du véhicule qui s'approche se met à clignoter. Dans certains cas, vous pourriez vouloir désactiver le système d'alerte de trafic transversal. Pour activer ou désactiver le système, appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que les réglages s'affichent. Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour sélectionner « Assistance au conducteur », puis sur le bouton « OK ». Sélectionnez « Aide au stationnement », puis appuyez sur le bouton « OK ». Sélectionnez « Traverser trafic », puis appuyez sur le bouton « OK » pour activer ou désactiver le système. Le système d'alerte de trafic transversal est intégré au système d'avertissement sur l'angle mort. Lorsque le système d'avertissement sur l'angle mort est désactivé, le système d'alerte de trafic transversal l'est également. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.